cascade. Ouais. C'est bien, ça roule bien sur les rocades. Ça roule bien. On est en direction de Chartres. Alors, je ne sais pas si il va nous faire passer dans le Chartres ou pas. C'est bon, ça va tourner avant ou après. Ou après, on verra. On verra bien. On verra bien. On suit le GPS. Ouais. On a décidé de suivre le GPS. Hein? Ouais. On sent 12 km de char. Ouais. Mais je pense qu'on va dévier, on va pas aller. Ça m'étonnerait. C'est bizarre hein, quand même qu'ils nous fassent aller à char. Bon, je pense. Hein. Ah, on verra bien. On verra bien. C'est la surprise. C'est la surprise. On suit le GPS. Ouais, ouais. En plus, il a été mis à jour il y a une semaine, maintenant. Alors, déjà là, ça avance bien, on est sur des rocades à 110. Ouais. Donc j'en profite, je monte jusqu'à 100. Ça va nous faire gagner un peu de temps. Ouais.
70 km par heure. J'étais en train de... À 70 km par heure. J'étais en train de fermer la fenêtre, alors je ne vais pas regarder. Hein. Ah ouais. Voilà. Tu vas sortir plus loin, c'est tout. Ah oh bah oui, touche même ta robe. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Il a recalculé. Ouais, il a recalculé, là. Là, dans 1,7 km. Tu prendras la poire. C'est un rond-point, de toute façon. Tu prendras la première. Ouais. Ouais, bah c'est l'échangeur qui est en haut, là. Devant nous. Ouais. De la campagne là je pense. Ouais. On va couper à travers. C'est bon. Je savais bien qu'on passerait pas à Chartres. Ouais. Parce que sinon ça range un Chartres. Ben là tu vas prendre la première à droite là. Ouais. Au rond-point. Au rond-point. À 300 mètres, entrez dans le rond-point et prenez la première sortie. Ah bah oui, mais route barrée. Non, non. Ah si. Tu vas voir, route barrée. Entrez dans le rond-point et prenez barrée, la première sortie. Bah bien, route barrée. Ah bah oui. Merde. Hein ? Route barrée dans 2 km 400. Tu peux pas la prendre non plus. Hein. Ah non. Bon bah tant pis, on file. Hein. Bah oui. De toute façon, la déviation, c'est là. Nouvel itinéraire. Il dit, je recalcule un itinéraire. Il n'y a pas de choix. Hein. Il n'y a pas de choix, mon vieux, il y a des travaux. Eh bah oui, eh bah oui. C'est notre faute. Hein. Roulez pendant 17 km. On va m'emmener au prochain rond-point. Ouais. Ah, on ne peut pas y aller, on ne peut pas y aller. Hein. Ah bah non. Il y a des travaux. C'est un peu ça, ouais. Ah bah, c'est pas notre faute. Hein. Ah bah non. Quand la route est barrée, elle est barrée, hein, pour tout le monde. Hein. Même pour le Phoenix. Hein. Ah bah ouais. Là, il faut plus d'élan que ça pour pouvoir passer par-dessus. Je te le fais pas dire. Ah bah, il y a quand même 2 tonnes pour dire à lever. Hein. Bah oui, oui. On a un Boeing, si on, avec 100 mètres, il arrive à se lever, lui. Ouais, c'est pareil pour le Phoenix, hein. Bah tiens. Hop. Il lui faut de l'élan, hein. Bah il lui faut de l'élan.
37 km, bon, ça va. Ouais. Ça va se faire. Et 2h30. 3h20 exactement. 2h de route. Voilà. Tu roules bien mon Phoenix. Il a 68 000 km, millions de kilomètres. Allez, ça y est, il est passé. Il est passé la cinquantaine. Là, il a passé la 60. Il a passé bientôt. Il va bientôt passer les 681 257 ou 29. Bon, je sais pas, il y a l'aiguille devant. Je dirais ça plus loin. 600 000 km. Ouais, c'est bien. Bah, il a bientôt 700 000. Ouais. Allez, bon, elle tourne nickel comme une horloge. Ouais. Jusqu'au jour où il va nous lâcher. Qu'il attende au moins qu'on ait un camping-car. Ouais, non, mais. Il tourne toujours nickel, il mange pas d'huile, rien. Ouais, on l'entretient. Bon, il mange quoi? Il mange. Allez, il mange. 1 demi-litre d'huile du vidange à l'autre. C'est rien. Il fume pas rien. Là, je vais faire la vidange en rentrant là. Je vais mettre ce qu'il faut pour que refaire mes segmentations et tout, ça va être nickel. Hein. Attention, zone de danger devant, contrôle de vitesse. C'est bizarre, il ne me fait pas sortir. Contrôle de vitesse. Hein. Ouais, mais c'est bon. Hein. Ah ben, c'est 80. Contrôle de votre vitesse. Il jette au milieu, lui. En fait, il nous dit qu'il y a un radar,
Mais il y a des radars qui ont été enlevés. Oui, mais il les connaît, lui, maintenant, là. Ah oui. Il nous les dit tous. Ah bah oui, mais là, toi, il n'y a pas de... Non, on n'a pas vu de radar. Non, parce qu'on est dans une zone de contrôle, il l'a dit. Voilà. Vous arrivez dans une zone de contrôle, il peut y en avoir comme il peut très bien pas y en avoir. Ouais. Ça peut être des mecs qui sont planqués avec un radar. Ouais. Qui me donne faim. Ah oui. Bah ouais. Mais tout est fermé, tu vois. Chez la fringale, tout est fermé. Ouais, bah c'est pour ça que c'est la fringale. Ils ont tous faim, et puis tout est fermé. C'est toujours fermé. Bah ouais.
vois la route barrée? Ouais. Bah, c'est là qu'on devait sortir à tous les deuxième coups. Sortie. Prenez la deuxième sortie vers la nationale 10. C'est bon? C'est bon, la nationale 10. Prenez le rond-point à 2,4 km. Elle est débarrée, tu vois, sortez là, elle est barrée des deux coups, elle est barrée. Ouais. Ils doivent être en train de faire des ronds-points ou des trucs comme ça. Ah, peut-être, oui. Ralentissez, 80 km par heure. Il l'accroche à une bagnole et il l'emmène où ils veulent. Ah ouais, ouais. C'est pour ça qu'ils disent zone de contrôle. À 300 mètres, entrez dans le rond-point. Il peut y en avoir un comme la deuxième sortie vers la départementale 927. Je t'en montrerai d'autres. Quand je verrai. Alors là, c'est la deuxième sortie. La deuxième sortie. Tu vois, on va pas à Chartres. Non. Là, c'est entrez marrant le rond-point comme c'est décidé, on dirait une étoile. Deuxième sortie. Ouais. Là, on va aller sur Orléans, je pense. Ouais, non, on va passer au-dessus, Orléans. Là, je croyais qu'on passerait en dessous, on va passer au-dessus. Parce que toi, Orléans, c'est la première. Une. Et c'est celle-là. Prenez la deuxième sortie vers la départementale 927. Voilà, 927. Non, c'est ça, c'est Surgères, non, c'est quoi, c'est bon. Moi, j'ai pas eu le temps de dire. J'ai pas eu le temps de dire. Non, j'ai pas regardé, moi. Pas la circulation, c'est non. Bien. Par contre, on aurait bien une. Oui. On aurait bien une petite connée de flotte dans pas longtemps. Bah oui, ça noircit un petit peu là. Ouais. T'as sûr, ça va secouer. Bon, ça va, ça va pas trop secouer. De contrôle. Tu sais qu'ils ouais. Aiment ça les radars hein, dans la région. Ah bah c'est clair. Hein. Ah la vache, tout le long de la route il y a des radars. C'est 90, je suis à 72, c'est bon. Ouais. Bon,
pas qu'avoir des voitures qui roulent vite, ça sert à rien. Ah bah on peut pas rouler vite. Hein. Ça sert à rien, on peut pas aller vite. Non. C'est interdit. Ouais, c'est interdit ça. Je crois que ça vient d'avant tout ce qui est usé là-bas, hein, parce que t'as vu celle-ci, elle tient. Ah ouais. D'avant tout, là, elle tient. Ah ouais, ouais, elle tient. Par rapport à l'autre. Elle est usée, c'est pour ça. Ah bon, elle est brûlée par le soleil. Elle est brûlée par le soleil, voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas les laisser tout le temps. Ah bah, il faut les enlever dès qu'on aura plus de mouvement. Hein. Ah ouais. Et c'est pour ça que j'aime pas les trucs avant tout. Et lui, on va essayer de trouver un pied. Ouais. Allez, on compte sur vous, à plus. À bientôt.